On s'y habitue, malheureusement, le PSG accumule déjà les absences sur ce début de saison. Il est question aujourd'hui de Presnel Kimpembe et d'Andrel Di Maria. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet essentiel du PSG, notre format pour faire le tour de l'actualité parisienne. Au programme, la blessure de Kimpembe, la suspension de Di Maria en Ligue des Champions. Mais avant de se lancer pleinement, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo. Ça nous aide énormément et ça fera toujours plaisir à Arthur, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, mais qui sera toujours là au montage. Et heureusement, évidemment, et aussi donner votre avis dans les commentaires, soit pour Kimpembe, pour Di Maria. On est toujours prêt à parler avec vous, c'est un grand plaisir. Et donc c'est parti, malheureusement en ce moment j'annonce beaucoup de mauvaises nouvelles, ça ne me fait pas plaisir non plus, mais c'est comme ça, il faut faire avec la vie du PSG. Il y a eu la blessure de Kylian Mbappé, il y a eu celle de Marco Verratti, et c'est au tour de Kimpembe de se blesser durant cette trêve internationale de septembre. Le défenseur central de 26 ans est sorti à quelques minutes de la fin de la victoire de l'équipe de France 2-0 contre la Finlande. C'est suite à un choc, on a pu le voir ensuite, voilà, il avait une poche de soins un peu sur la jambe, autour de la cheville, certainement pour glacer, pour commencer déjà les soins. Pour le moment, on ne sait pas, ça sera très grave. En tout cas, lui, il n'avait pas l'air non plus très inquiet après le match. Il a pris le temps de saluer les supporters. On a vu des photos dans le vestiaire où il a le sourire. Donc, il n'y a pas non plus une crise ou un drame. Mais c'est quand même une blessure. On sait que ça peut mettre un peu de temps, alors que les matchs, justement, vont s'enchaîner pour le PSG, notamment avec le début de la Ligue des Champions. Donc, une absence même de 2 semaines, bah, ça peut vite être 3-4 matchs manqués. Ça peut aller très, très vite. Ça peut engendrer d'autres problèmes pour le PSG avec des joueurs qui sont obligés de compenser. Donc, c'est toujours pénible. Pour le moment, sur cette blessure, on a simplement le sélectionneur Didier Deschamps qui a indiqué « Kimpembe a un petit souci au tendon d'Achille, c'est la fatigue, il fait partie du peu de joueurs qui ont enchaîné les 3 matchs, il a tiré un petit peu sur la corde ». Un discours, on ne va pas le cacher, qui est quand même un peu rageant, si on peut comprendre. Hein, l'équipe de France avait besoin de gagner ses matchs d'élimination pour la Coupe du Monde 2022, mais il semblait quand même possible de gérer un peu le temps de jeu de Kimpembe, parce que s'il a tiré sur la corde, alors peut-être que lui, il s'est dit prêt à jouer, mais c'est aussi le travail du staff, du sélectionneur, de l'entraîneur, de dire que eh bien là, il faut faire tourner un peu, il faut être prudent, on est qu'au début de la préparation estivale, en plus, comme beaucoup d'autres joueurs de l'équipe de France, Kimpembe était à l'Euro, donc il n'a pas vraiment le temps de faire une préparation complète encore, ça aurait été bien qu'il puisse voilà, au moins ne pas jouer l'un des matchs ou sortir de temps en temps. On sait que c'est compliqué de remplacer un défenseur, mais il y avait des options au moins pour démarrer un match. Quand on joue contre la Bosnie, l'Ukraine, la Finlande, bah, il y a moyen de faire tourner, surtout quand il y a Clément Lenglet sur le banc. C'est au moins une option pour jouer ou même pour jouer avec d'autres joueurs s'ils voulaient le remplacer par autre chose qu'un gaucher. Mais voilà, il y avait au moins ce gaucher-là sur le banc. C'est un peu dommage, justement, bah, le faire tirer sur la corde, d'arriver à ce petit souci, d'arriver à de la fatigue. Alors, je pense que Didier Deschamps connaît assez bien le métier pour savoir que ça pouvait arriver. Voilà, c'est toujours un peu pénible cette internationale où on voit les joueurs jouer les 3 fois 90 minutes et sortir avec une blessure. Alors c'est très bien, ils ont pu aider leur équipe nationale, mais c'est le PSG qui se retrouve avec un problème. Là, ça va être une blessure, on espère courte, mais comme je l'ai expliqué avant, c'est de toute façon un souci. Ça peut obliger un joueur à jouer plus, obliger un bricolage dans l'équipe. Voilà, c'est un peu pénible comme toujours. J'ai pensé par exemple pour le milieu de terrain, alors c'est plus logique de remplacer les milieux, mais au moins il a tourné. Hein, Wijnaldum a joué un seul match complet avec les Pays-Bas. Ensuite, il est sorti au 73e et 61e minute. Alors, il a joué les 3 matchs, certes, mais au moins avec un minimum de gestion, c'est déjà pas si mal. On aimerait bien que voilà, il y ait un peu plus d'attention aux joueurs parisiens de temps en temps. Surtout que pendant ce temps, les problèmes s'accumulent avec Di Maria. L'ailier de 33 ans n'est pas blessé, mais il va quand même louper la première moitié de la phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est beaucoup, mine de rien, c'est 3 matchs et c'est à cause du carton rouge pris contre Manchester City la saison passée en demi-finale retour. Il avait été coupable, voilà, on peut dire, d'une plutôt méchante semaine hein, sur c'était Fernandinho. Voilà, il allait chercher le ballon en touche, il y avait de la tension, il avait eu voilà, ce geste vers lui, il l'avait touché. La suspension, elle est fixée enfin par l'UEFA. On peut se demander pourquoi ça a pris autant de temps. Il est peut-être possible de donner une décision avant, mais en tout cas, voilà, il va manquer les 3 premiers matchs. Ce n'est pas complètement illogique, puisque bah, il y a clairement un mauvais geste, alors que le jeu n'est même plus en cours. Donc là, même si on est nerveux, même si on est énervé, même s'il y a une provocation, il bah, faut se contrôler un minimum. Les gestes sont sanctionnés, ce serait bien que ce soit toujours le cas. Là, ça tombe sur Di Maria. Pour nous, c'est forcément pénible et rageant, puisqu'il va manquer hein, ces 3 premiers matchs. Paris paye un peu sa nervosité qu'on voit trop souvent ces dernières années quand ça marche pas, quand ça bloque, on a souvent ce mauvais geste. On a Idrissa Gueye aussi qui sera suspendu pour le premier match avec des champions et qui était suspendu pour le retour contre City à cause de, voilà, d'un geste un peu d'énervement, même si lui c'était dans le jeu, on sent que c'était voilà, de l'agacement. Neymar est un habitué hein, de ces petits craquages soit en Ligue des Champions, en Ligue 1. C'est clairement un point amélioré pour le PSG puisque bah, déjà pour le match même, c'est une pénalité forcément de finir à 10 et puis après on a des suspensions qui s'accumulent. Là c'est Di Maria qui va manquer 3 matchs.
alors qu'il y a déjà bien assez de blessures qui s'accumulent au PSG, en ce qui s'appelait très vite, et notamment en attaque, où on l'a déjà souligné dans le dernier podcast, il n'y a pas tant de joueurs que ça à Paris. Il y a des excellents joueurs, on ne peut pas se plaindre qu'on peut aligner Mbappé, Neymar, Messi, peut-être Di Maria, et qu'il y a Icardi sur le banc, par exemple, c'est déjà vraiment pas mal. Le problème, c'est que derrière, vu que Sarabia et Kélé Mouendo sont partis, il n'y a plus grand monde. Draxler peut jouer en attaque, d'accord? Ce n'est pas tout à fait un buteur. Et sinon, ce sera des petits jeunes. Il y a Garbi, qui n'est pas non plus un buteur. Peut-être un autre buteur qui pourra du coup sortir de son information. On verra ce que Pochettino met en place quand il y aura des absents comme ce samedi. Je le rappelle, avec le Brésil et l'Argentine qui vont jouer dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, certainement que Messi, Neymar, Di Maria seront absents face à Clermont ce samedi. C'est toujours un peu compliqué. On espère. En tout cas, pouvoir bientôt annoncer des bonnes nouvelles, ça ferait du bien. Il y a eu un très beau mercato, c'était plaisant, ça faisait plaisir. J'aime toujours, on aime toujours faire les vidéos et parler avec vous, partager toute cette saison avec le PSG, mais c'est quand même plus sympa quand c'est sur du positif. En tout cas, voilà, pour aujourd'hui, c'est comme ça. C'est ça l'actualité parisienne. On espère qu'il y aura du bon. Peut-être qu'Mbappé sera disponible face à Clermont, par exemple, même si pour l'instant, il y a du doute. En tout cas, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère, comme je l'ai dit, avec du positif. En attendant, vous avez, par exemple, notre réflexion sur le retour en forme de Kerrer dans ce début de saison. Est-ce qu'il peut avoir un vrai rôle à jouer ou pas? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'il, voilà, il y a aussi des petits risques. Je vous laisse voir tout ça, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer des prochaines vidéos. Comme je l'ai dit, on est là pour toute la saison, pour tous les matchs, les avant-matchs en proposant notre équipe, les après-matchs avec les débriefs et puis ces petits essentiels pour faire le point sur l'actualité parisienne. En tout cas, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.